Okay, we're going to get started because I don't want to lose. Bonjour, chers tous. Nous allons commencer parce que je ne veux pas perdre le temps des présentateurs. J'espère que tout le monde revient vite dans la salle. Nous avons eu de longues journées de travail et aujourd'hui, on va parler de l'utilisation des données de vaccination et la triangulation de ces données-là. Pour ceux qui ne connaissent pas le diagramme qu'on vous montre depuis, voici un kit de vaccination de DHIS2 qui peut être aussi triangulé. Et plusieurs, vous pouvez voir en bas à droite, c'est un partenariat que nous avons eu avec plusieurs, Gavi et d'autres institutions. On va avancer et vous présenter un peu ce dont il est question et également les expériences pour ce qui est de la triangulation. Et également, quand on veut parler de triangulation, ce serait bien de parler également de comment extraire les données, comment les utiliser, comment s'assurer que les gens utilisent les données. Parce que si on ne commence pas bien, on ne peut pas trianguler les données de manière efficace. Donc, pour cela, on aura Patrick Omier de HIS Uganda qui va nous présenter le travail qu'ils ont fait avec les PEV dans les pays pour ce qui est de la redynamisation du tableau de bord PEV et pour pouvoir continuer avec les activités de triangulation. Donc, Patrick, à vous la parole. Bonjour. Je m'appelle Patrick Omiel, je travaille avec HIS Uganda, mais également je soutiens l'équipe de développement du package et donc on travaille avec l'équipe tout entier pour ce qui est du soutien du développement. Donc il y a eu beaucoup de contributions qui viennent de notre équipe, à l'équipe de base. Ce que nous essayons de faire, c'est une approche participative de l'adaptation du package PEV pour l'Ouganda et nous avons connu du progrès et c'est ce que nous voulons partager avec vous. Donc, je suis là au nom d'une équipe dont les membres sont Stephen, Sam, Kasozi et Prosper Berumbize et également avec le ministère de la Santé et l'équipe de programmation de l'UNEPI, qui est le programme et l'agence de vaccination de l'Ouganda. Donc, nous avons commencé en 2018 lorsque nous avons commencé à soutenir l'implémentation du package et ce n'est pas que pour les PEV, mais aussi pour le paludisme, la tuberculose, entre autres. On s'est focalisé sur l'agrégat et notre objectif, c'est de faire l'installation et de renforcer les capacités par la formation et le mentorat et également le soutien de l'infrastructure par l'administration du serveur parce qu'il y a beaucoup d'activités sur ce dernier. Également, il y a le soutien général de DHIS2 parce qu'on ne peut pas se focaliser seulement sur ces trois premiers points. Donc, on a informé le ministère qui essaie de réviser les six. Donc, c'était très bien parce que cela nous a donné une opportunité pour pouvoir mentionner ce que nous pensons manquait dans les six pour ce qui est des PEV. Donc, depuis 2018, nous avons commencé. Et évidemment, ce que nous avons fait, c'est d'être capable d'installer les packages sur l'instance de production de six national. Voici la version que nous avons qui est affichée. Mais également, quand vous partez dans les districts, vous voyez qu'ils ont également leur tableau de bord. En bas, on voit leur tableau de bord qui est fait à partir de la main. Donc, quand vous allez, vous voyez le genre de tableau de bord, si, dans les districts, également dans les établissements de santé et qui est fait de manière manuelle. Et on se demande pourquoi ils ne le font pas dans le DHIS2.
Évidemment, il y a des défis en matière d'accès dans les DHIS2 et sur la limite de l'utilisation, surtout pour les gestionnaires et les personnes hautes dans la hiérarchie qui trouvent cela difficile de pouvoir entrer dans le DHSE parce qu'ils n'ont peut-être pas des mots de passe qu'ils oublient et tout. Également, il y a très peu d'informations en matière d'analyse du DHSE. Certaines personnes croient que le DHSE est là juste pour collecter les données. Maintenant, quand on parle de DHSE, ils parlent juste de reporting. Aussi, la manière dont le tableau de bord est fait, quand on forme les gens et on leur explique les autres possibilités dans le DHIS2, ils sont un peu confus. Donc, il y a des requêtes ad hoc ponctuelles pour ce qui est de l'utilisation du DHIS2. C'est vrai qu'on a beaucoup de tableaux de bord en Ouganda et ça crée beaucoup de confusion parfois. Alors, nous avons pensé comment faire pour pouvoir améliorer ce que nous avons déjà pour ce qui est de package de vaccination et essayer d'améliorer le tableau de bord. Donc, l'équipe a décidé d'avoir une approche participative et avec le RISP, on a essayé de parler des analyses dans le DHS2 qui ont été améliorées. Quand on parle du fait de mettre sur pied des graphiques, ça existe dans les DHS2. Donc, on se disait que c'était une opportunité de voir ce qu'il y a dans le package et utiliser les dernières fonctionnalités des DHS2 et améliorer les tableaux de bord. Donc, au fur et à mesure, on a essayé de soutenir l'intégration des données et améliorer l'analyse par la triangulation. Puis aussi, on a amélioré le package global pour les PEV. Alors, on a commencé et ici sur la photo, on voit un des ateliers où nous avons eu en Ouganda. On a l'équipe des implémenteurs qui était là. Donc, en fait, on essaie de voir si on a le package et qu'on le met dans l'instance, qu'en est-il de l'examen et les feedbacks? On a essayé de comprendre les indicateurs en profondeur. Quand on les comprend, c'est plus facile, mais parfois on ne les comprend pas. On s'assoit avec eux, on leur explique que voici un peu le dénominateur. Et par exemple, quand on leur explique tout en détail, on commence à apprécier le processus. Et également, on essaie de faire l'analyse des output. Si vous voyez les couleurs, il y a des gens qui n'aiment pas cela. C'est ce que nous avons dans notre package et les gens n'aiment pas les couleurs. Donc, quand on a des couleurs attractives, c'est ce qui les rend heureux. Donc, quand on fait tout cela, on se rend compte que après cette étape, on peut maintenant s'occuper du déploiement et on essaie de générer les feedbacks pour l'équipe en général pour pouvoir améliorer le package. Donc, voici le processus que nous voulons suivre. Il y a des améliorations présentement, il y a des choses qu'on va vous montrer plus tard, comme des captures d'écran. Avec l'équipe qui était là, on a pu aller sur le terrain. On est parti dans l'établissement de santé pour parler aux différentes équipes pour voir ce qui se passe là-bas. On essaie de leur présenter le package afin qu'ils comprennent ce dont il est question. Avec les leçons que nous avons tirées pour le moment, parce qu'il y a plusieurs enseignements à tirer, nous voyons qu'il y a un niveau élevé de participation. Je peux vous dire qu'on essaie de faire l'examen des indicateurs. Tout le monde était expert dans son domaine. Ils avaient quelque chose à dire pour ce qui est des indicateurs. Et c'est très intéressant parce qu'ils avaient à chaque fois une idée pour ce qui est des indicateurs pour apporter leur pierre à l'édifice. On a essayé de voir comment on a pu mettre leur perspective dans le développement de ces packages. Donc, si on leur donnait juste l'application sans voir leur perspective, ce serait un problème. Donc, ça a promu en quelque sorte le fait que tout le monde se réclame du projet. Et également, il y a les questions d'exigence. Il y a des exigences dans les directives et on a dû les lire. On a essayé de discuter avec Oslo pour comprendre ce dont il est question.
quand on essaie de leur présenter ces informations, ils peuvent ne pas comprendre ce dont il est question. Donc, en haut, là-bas, vous voyez leur graphique manuel et ils sont en train d'utiliser des groupes cumulatifs. Mais nous, ce n'est pas ce que nous faisons. Vous voyez qu'il y a une sorte de déconnexion entre ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont l'habitude de faire et ce que les directives recommandent. Donc, on a dû faire des ajustements pour être en étroite en droite ligne avec ce qu'ils connaissent. Également, pour l'expérience de terrain, vous voyez les piles de boîtes en haut, c'est au niveau des districts. Les gens se demandent comment on met toutes ces données-là dans le DHIS2. Ça, c'est les SIGS qui s'en occupaient. Il y a toujours des piles de données dans les bureaux des SIGS qui viennent des établissements de santé et ils essaient de les entrer dans les DHIS2. Vous voyez tout le document qu'il y a à faire. Donc, il faut tout un processus pour que les implémentateurs puissent comprendre comment entrer les données dans le DHIS2. Et ça vous donne également une compréhension quand on essaie de faire le design pour pouvoir apprécier comment est-ce que les choses se passent. Maintenant, voici un exemple. Vous voyez que les couleurs sont vivantes. Hein? C'est très beau, n'est-ce pas? Je peux voir que vous ressentez cela. À partir de là, je vais repartir sur OK. Les diapos, vous avez vu un peu la comparaison entre les anciens tableaux de bord et ce tableau de bord. Ceci a l'air très attractif. Quand c'est vert, c'est positif, mais quand c'est rouge, ça veut dire que vous avez des problèmes, il y a des urgences. Ici, on voit les données dans DHIS2. Donc, un des défis que nous avons, c'est la question de limitation des fonctionnalités de l'analyse DHIS2. Et on avait le problème d'accès ouvert du tableau de bord. Les gens se disaient qu'ils devaient juste entrer les URL et voir ce qu'ils devaient voir et puis sortir. Donc, on a dû faire une sorte de plaidoyer et on a essayé de comprendre comment est-ce que on peut essayer d'entrer les taux cumulatifs qu'ils ont d'habitude de faire. On prend janvier, février et puis on cumule les 2 mois, par exemple. Il y a maintenant la question classement et comptage des unités d'organisation sur la base de la performance. Vous savez que nous tous ne sommes pas très doués dans les comptes, donc c'est un défi. Évidemment, les résultats agrégés des indicateurs logiques, on devait s'en occuper. Une fois que c'est fait, on doit former tout un chacun pour pouvoir comprendre l'utilisation. Il y avait également la question des versions. Ici, c'est la version 2.37. Il y a des valeurs uniques, des pourcentages, qu'on peut prendre en compte dans la nouvelle version. On essaie de travailler dans les ministères pour pouvoir faire la mise à jour, pour pouvoir avoir tout ceci dans l'instance de production. Pour ce qui est des perspectives, on doit finaliser le développement. Et le déploiement. On doit également soutenir l'intégration de la surveillance des PEV, des VPD, pardon, et donner la priorité à l'inclusion des caractéristiques fonctionnelles manquantes. On va nous assurer que les gens utilisent ceci pour pouvoir améliorer le package global. Donc, je vous en remercie. Je remercie toutes ces équipes-là que vous voyez à l'écran. Merci beaucoup. Vous avez été assez rapide et nous apprécions cela. On aura des sessions
dirigé par Angel, et parce qu'il y a tous les pays qui doivent passer d'abord pour la présentation. Et on va avoir une idée de leur triangulation. Donc, Angela va nous présenter sur le tableau de bord de triangulation sur lequel il travaille. Il y aura aussi Koulibaly qui vient de Côte d'Ivoire, qui va nous décrire leur expérience en matière de triangulation. Et également, il y a des collègues en ligne venant du Nigeria. Et on va aussi avoir les retours d'informations sur le package global pour ce qui est des perspectives et des défis. Et également, les collègues de l'Éthiopie vont également nous présenter la situation de leur côté. Je vous remercie et Angela, vous avez la parole. Merci Victoria. Je vais commencer par une introduction pour qu'on puisse tous être au même niveau pour ce qui est des programmes de vaccination. Et après, on parlera des cas d'utilisation. Ensuite, je vous donnerai une information sur les données de triangulation que nous développons derrière chez eux. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir comprendre les concepts clés de triangulation, surtout dans le domaine de la vaccination, apprendre comment implémenter le processus de triangulation de 4 étapes avec l'OMS, le CDC et l'UNICEF. Également, on va faire des exemples de triangulation dans les pays et au niveau infranational. Puis, on va discuter de comment utiliser les tableaux de bord. On va commencer très rapidement avec la triangulation des données. On devait d'abord avoir une définition, si ce n'était pas très facile. Maintenant, on devait savoir que la triangulation, c'est la synthèse des données existantes de deux ou de plusieurs sources afin de résoudre des questions pertinentes pour la planification des programmes et la prise de décision. Et il faut tout faire pour que les prises de décision soient appropriées. Il y a les groupes qui travaillent sur les données, il y a également les équipes qui essaient de voir comment est-ce que ce serait fait de la manière la plus appropriée possible. Donc, pour ce qui est des principes de triangulation, c'est un exercice qui doit avoir des objectifs très spécifiques. On veut utiliser les données qui existent déjà, donc il faudrait qu'il y ait collecte de données premièrement. Maintenant, il y a les questions de stock de surveillance qu'on doit prendre en compte. Vous avez vu que l'Ouganda en a parlé. Il y a le fait d'engager une équipe multidisciplinaire, si possible. Et avec le guide de triangulation, on veut se focaliser sur la connaissance locale, entre autres. Il y a l'utilisation des données, pardon, qui est prise en compte, que ce soit au niveau local qu'au niveau de base. Patrick en a parlé déjà, donc on sait déjà ce qu'il en est des données, comment les capturer. Donc, on veut tout faire pour pouvoir utiliser les données pour le bon but. Également, nous n'allons pas essayer d'entrer en détail pour certaines questions pour le moment. Maintenant, pour ce qui est de la triangulation, ça encourage la collaboration dans les unités de programme. Ça permet de comprendre mieux les données et également faire des synthèses. Et puis, ça permet d'identifier les domaines pour l'amélioration des programmes parce que dans chaque domaine, il y a eu des limitations.
Ça permet également d'identifier les domaines pour l'amélioration des programmes qui ne viennent pas forcément d'une source unique et améliorer la confiance dans les conclusions et les recommandations de qualité afin de pouvoir planifier et prendre les décisions comme cela se doit. Sans perdre du temps, je vais parler également de directives qui sont disponibles et je peux vous assurer qu'on va partager la présentation sur SCED. Mais ce qui est important ici, c'est que la guide est là le guide est là pour deux niveaux, que soit le niveau national, que le niveau infranational. Donc, il y a un document générique pour ce qui est de la triangulation et également, on essaie de partir non seulement au niveau national, mais au niveau régional et au niveau local. Donc, on essaie de comprendre les questions qui doivent être résolues au niveau de chaque pays. J'encourage tout un chacun à recourir aux informations qui sont ici et il y a plusieurs indicateurs qui sont également disponibles pour pouvoir faire la triangulation et les analyses dans les domaines appropriés. Je n'essaie pas de trop simplifier les choses, mais on a créer un processus à quatre étapes. Premièrement, on pose la question clé. Qu'est-ce qu'on essaie de faire exactement avec l'exercice de triangulation? L'étape 2, identifier les sources existantes de données. Numéro 3, résumer les données dans le contexte local. Et numéro 4, développer un plan d'action. Et puis, il y a les opportunités pour pouvoir intégrer la triangulation dans les activités existantes. Ici, nous essayons de pouvoir faire appel aux groupes divers qui existent déjà et pour pouvoir faire en sorte que ce soit dans l'activité journalière des différents acteurs. On essaie de se rassurer que il y a des réunions pour l'examen des données PEV, que ce soit mensuel ou trimestriel. Également, on essaie de faire l'examen annuel pour ce qui est l'introduction peut-être d'un nouveau vaccin, entre autres. Il y a plus des examens de qualité de données au niveau des PEV. Il y a également des formations, que ce soit au niveau des différents directeurs et également avoir un design pour ce qui est du tableau de bord. Maintenant, on essaie d'utiliser les données de triangulation dans plusieurs pays. Je vais passer la parole à ma collègue de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire la suite de cette présentation. C'est bon. Bonjour. Je m'appelle Dr. Ruth Koulibaly. Je travaille dans le programme de vaccination de la Côte d'Ivoire et je vais vous expliquer comment on utilise le DHIS2 et la triangulation des données pour améliorer la performance du système d'information et renforcer l'utilisation des données à tous les niveaux du programme de vaccination de la Côte d'Ivoire. Voici le sommaire et je commence avec le contexte. Je commence en vous disant que jusqu'en 2021, plusieurs systèmes d'information étaient utilisés pour gérer les données du programme de vaccination de la Côte d'Ivoire, notamment le EDVDMT, qui est l'outil électronique de gestion des données sur les vaccins dans les districts, et également le MEV, qui est la surveillance des maladies évitables par la vaccination, et puis Info, qui est les données sur la couverture vaccinale,
et il y a une multiplicité de données pour chaque. Il y a la multiplicité des outils et des sources de données pour chaque type de données, ce qui a entraîné un affaiblissement de l'utilisation des données pour la planification des programmes. Cela a été révélé par l'évaluation de la qualité des données réalisée en 2019 au niveau des districts et des établissements de santé. L'objectif des ministères de la Côte d'Ivoire, c'est d'améliorer la performance du système d'information de la Côte d'Ivoire qui supporte les données du programme élargi de vaccination et renforcer les capacités du personnel de la Côte d'Ivoire chargé de la vaccination et de la surveillance des PEV à tous les niveaux en matière de gestion, d'analyse, d'interprétation et d'utilisation des données pour la prise de décision. Pour ce qui est de la méthodologie, nous sommes en train de faire la migration vers le DHS2 pour la gestion des données sur la couverture vaccinale, la surveillance des PEV et les stocks de vaccins. Nous avons mis en œuvre ou implémenté un projet pilote basé sur les directives de l'OMS, de l'UNICEF et de l'USCDC sur la triangulation pour l'amélioration de la prise de décision dans les programmes de vaccination. Au niveau infranational en 2021, nous avons mené deux formations à la triangulation pour les gestionnaires de données de vaccination et de surveillance des PEV au niveau régional et du district. Pour ce qui est des résultats, et en rapport avec la migration dans le DHIS2, nous avons eu à faire une harmonisation des données réalisées pour intégrer les données historiques dans le DHIS2. Nous avons également eu des formations du personnel chargé de la vaccination et de la surveillance des PEV à tous les niveaux. Le déploiement des paquets de données DHIS2 prennent en compte le PEV de l'OMS, l'agrégat intégré de surveillance et de réponse aux maladies de l'OMS. Pour ce qui est des paquets de données DHIS2 en attente, il y a le suivi de la surveillance basé sur les cas de maladies sexuellement transmissibles de l'OMS. Depuis février 2022, DHIS2 est utilisé au niveau national. Pour ce qui est des résultats en lien avec le guide mondial pilote de la triangulation au niveau national, nous avons eu un soutien fort de la part de la direction du PEV. La question prioritaire était de savoir si les données existantes peuvent aider la Côte d'Ivoire à documenter les progrès vers l'élimination de la rougeole. Nous avons eu à mener un processus de triangulation en 4 étapes. Nous avons identifié des problèmes de qualité des données et des populations et zones géographiques présentant des lacunes en matière d'immunité. Puis, nous avons eu à prendre des décisions pour l'introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole en Côte d'Ivoire et la révision des estimations de la population cible. Également, nous avons eu 2 séries de formations et c'était via des présentations et des travaux individuels et de groupe. Nous avons eu des soutiens techniques et financiers des bureaux CDC des États-Unis et de la Côte d'Ivoire. Ici, vous voyez 2 photos pour la triangulation entre les sources de données et le fait d'avoir accès à un tableau de bord qui triangule les données. En conclusion, avec le DHIS2, le personnel de la Côte d'Ivoire chargé de la vaccination et de la surveillance des maladies transmissibles sexuellement est mieux équipé pour effectuer le suivi, l'analyse des données et la triangulation afin d'informer la planification du programme à tous les niveaux. Le personnel du programme national d'immunisation a réalisé des activités de triangulation à l'aide du système DHIS2 pendant la formation et la supervision. Je vous remercie beaucoup. Hello, good day, everybody.
Bonjour à tout le monde. Vous m'écoutez très bien, j'espère. Bonjour encore. Je m'appelle Miadeoui et je travaille au Nigeria. Ce matin, au nom des autres membres de l'équipe, y compris ceux qui sont dans les bureaux de la CDC, je vais faire cet exposé sur notre travail en matière d'intégration du DHIS2 et des systèmes d'information externes pour trianguler et visualiser les données de surveillance de la vaccination de routine et des maladies évitables par vaccination au Nigeria. Je vais suivre ce sommaire. Comme background, le système d'information sanitaire du district accueille les données agrégées sur la vaccination de routine et d'autres données sanitaires de gestion. Et c'est géré par le ministère fédéral de la Santé et l'Agence nationale en charge des soins. Les systèmes de gestion et d'analyse de la surveillance et de la réaction aux pandémies accueillent les données de surveillance des maladies basées sur les cas. Et c'est géré par le Centre nigérien de contrôle des maladies, c'est-à-dire le CDC du Nigeria. Pour ce qui est des défis de la triangulation des données au Nigeria, il y a les possibilités limitées de trianguler pour améliorer le programme. Et c'est parce qu'il y a une faible utilisation des données en raison de l'accès fragmenté, du manque de partage et de coordination dans les systèmes existants. Donc ce matin, je vais présenter les processus de collecte, d'analyse et de visualisation des données de surveillance des maladies évitables par vaccination et des données de routine dans un tableau de bord de triangulation qui sera utilisé pour améliorer la prise de décision programmatique, que ce soit au niveau national, mais qu'au niveau infranational. Au niveau national, nous espérons que les données seront utilisées par les bureaux PEV à tous les niveaux, que ce soit au niveau des districts qu'au niveau des pays. Et comme je vous l'ai dit lors de la présentation, nous n'hésitons pas juste à d'avoir les données pour les analyser tout simplement. Il faudrait être guidé et avoir une direction pour ce qui est de la raison d'être de notre triangulation. Je vais vous montrer alors les différents problèmes identifiés du programme et les questions clés pour l'analyse de triangulation des données. Premièrement, le problème, c'est les lacunes non identifiées en matière d'immunité. La question clé, c'est la couverture administrative semble-t-elle être exacte? Deuxièmement, les données de surveillance suggèrent-elles qu'il existe des lacunes dans la couverture vaccinale? Le deuxième domaine, c'est évaluer la performance du programme, la qualité des données et la question, quels états districts présentant de faibles performances et ou des incohérences dans la qualité des données nécessitent un suivi. Voilà les questions de triangulation dans les domaines où nous avons identifié des problèmes. Avant de commencer le travail concernant la triangulation, il fallait qu'on puisse d'abord comprendre la fiabilité des données et des sources de données que nous allons utiliser. Ici, vous pouvez voir les différentes sources de données où nous prenons les données et où nous faisons l'analyse de triangulation. Premièrement, vous allez voir la couverture vaccinale administrative. Et c'était important pour nous de comprendre les forces et les faiblesses de la couverture vaccinale administrative. Sur les forces, nous voyons que la disponibilité des données est là sur le plan mensuel et c'est disponible pour tous les niveaux. Mais cela a également des faiblesses, parce qu'il y a le problème de qualité des données à cause de la valeur aberrante et des divergences en matière de la couverture vaccinale au Nigeria. Pour ce qui est des sondages sur la couverture vaccinale, comme force, c'est plus fiable que l'administration, les sondages administratifs. Mais la limitation, c'est que les enquêtes sont peu fréquentes. Il y a d'autres sources comme le WENIC, qui est l'estimation de l'OMS et de l'UNICEF, et la force est d'incorporer la triangulation et les faiblesses est calculée uniquement une fois par an. Je ne vais pas pouvoir lire toutes les forces et les faiblesses, donc nous allons avancer pour la prochaine diapo. Maintenant, qu'en est-il des approches, les méthodes que nous avons adoptées pour pouvoir collecter les données, faire les analyses du tableau de bord? C'était important d'abord de commencer par la cartographie du système.
parce que nous prenions les données dans le DHIS2 et d'autres systèmes. C'était important d'abord de pouvoir comprendre les métadonnées existantes de DHIS2 et celui de SORMAS. Donc, on a fait un examen et un inventaire systématique des éléments de données, des indicateurs, des calculs, des niveaux d'administration et de la fréquence. Alors, lorsque on a déjà fini avec la cartographie du système et qu'on a compris le type de données et des métadonnées qui existent dans les systèmes, on a continué avec la sélection des indicateurs. Nous savons pertinemment qu'il y avait déjà des documents sur le plan mondial, comme celui de l'OMS, de l'UNICEF et de l'USCDC. Donc, on a essayé de repartir vers ces documents dans le cadre d'une triangulation. On a identifié une liste d'indicateurs et on a essayé de hiérarchiser ces indicateurs pour voir comment est-ce que c'est en étroite collaboration ou en étroite ligne avec le système du Nigeria pour ce qui est de la triangulation des données. Donc, je parlais de la hiérarchisation des indicateurs des analyses et des visualisations par les parties prenantes nationales. Donc, on avait besoin de certaines approbations également. Après avoir identifié les indicateurs, on a essayé d'aller au développement du système. On a essayé de développer le tableau de bord. Je dois dire que le tableau de bord que nous utilisons a été développé par R Shiny, AWS, Kubernetes et Docker Terminology. Donc, ils nous ont aidés à pouvoir mettre en place des tableaux de bord assez flexibles qui nous permettent de pouvoir l'interpréter avec d'autres systèmes. Maintenant, pour ce qui est des tableaux de bord, après les indicateurs qui ont été approuvés, on a pu créer des graphiques. On a rendu à l'aide de R, de Python et JavaScript pour s'assurer que l'expérience utilisateur est intuitive. Donc, voilà les méthodes qui ont été adoptées pour le développement du tableau de bord de triangulation au Nigeria. Ce que vous voyez à l'écran, c'est des graphiques venant du tableau de bord que nous développons. Maintenant, vous voyez que ça a une belle visualisation. Vous voyez la carte qui montre la couverture vaccinale, que ce soit sur le plan national, mais au niveau infranational également. Et nous étions capables de pouvoir mettre l'accent sur la couverture vaccinale et le nombre de doses. Vu qu'on travaille des maladies évitables par vaccination, c'est pour cela qu'on a dû essayer de prendre les données qui correspondent évidemment à ces différentes maladies-là. Maintenant, pour ce qui est de la cartographie, cette carte est unique en son genre. Pour ce qui est du programme élargi de vaccination au Nigeria, ça aide les décideurs à pouvoir voir exactement que même s'il y a des domaines où nous voyons qu'il y a une bonne couverture de vaccination, que ce soit pour la fièvre jaune, que la rougeole, il y a beaucoup de cas quand même qui sont dans le pays. Le tableau de bord nous permet également qu'on utilise les données qui viennent de DHIS2, de SORMAS et d'autres systèmes de surveillance qui n'étaient pas là avant qu'on ne commence ce travail. Parce que tous ces systèmes-là sont parallèles les uns aux autres, contrôlés par différents acteurs et différentes personnes, utilisateurs qui ont accès. Mais ce que la triangulation est en train de faire maintenant, c'est de pouvoir donner accès à tous les travailleurs de la santé pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information au niveau national et au niveau infranational. Voilà juste quelques exemples. Il y a d'autres indicateurs qui ont également été identifiés. Voici la liste de quelques identificateurs qui ont été identifiés pour la visualisation et c'est publié dans le tableau de bord qui a été montré précédemment. Donc, on a les cas confirmés de rougeole par rapport à la couverture MCV1. Nous avons, et ce donné, pardon, vient de DHIS2 et le système SORMAS. Nous avons également le groupe d'âge des cas de rougeole confirmés par statut vaccinal. C'est un indicateur très important et nous devons nous intéresser parce que ça nous permet de voir clairement ce qu'il en est des cas et les statuts de vaccination. Et ça aide les décideurs à comprendre les données des systèmes. Et on parle également du fait qu'il y a une discordance entre les doses de vaccin MCV1 et YF qui sont co-administrées. Donc, on essaie de comprendre les disproportions qui existent. À chaque
indicateurs, on a les informations dans le tableau de bord. Pour conclure et pour les prochaines étapes, les travaux sont en cours. On essaie de terminer l'intégration complète du tableau de bord. Même si j'ai dit que le DHIS de SORMAS et d'autres systèmes existent au Nigeria qui sont là sur le terrain de manière parallèle, les gens vont se demander si cette triangulation ne serait pas une autre plateforme. Je peux vous assurer qu'on n'essaie pas de créer une autre plateforme. Ce que nous essayons de faire avec ce tableau de bord, nous voulons que ça puisse s'intégrer dans le DHIS pour que tous les utilisateurs du DHIS puissent trianguler les données comme un tableau de bord quand ils vont entrer dans le système. Nous allons également l'intégrer dans le SORMAS pour que tous ceux qui ont accès à cette plateforme présentement puissent voir cela et aussi les autres plateformes externes qui existent au Nigeria. Donc, on est en train de créer un autre portail pour que les utilisateurs dans les services de santé puissent apprendre encore à l'utiliser. Tout sera entré directement dans les systèmes qui existent. Et nous sommes sur le point de finaliser ça bientôt. Ça sera suivi par la mise en œuvre, l'implémentation et la formation des utilisateurs ciblés, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau infranational. Donc, on essaie de voir comment faire pour former les gens sur l'utilisation du tableau de bord, parce que ce sera utilisé par tout un chacun. Ensuite, nous allons faire la cartographie, la triangulation et l'intégration de d'autres données. Même si on a commencé par les maladies évitables par vaccination, il y a beaucoup d'autres indicateurs que les gens aimeraient qu'on puisse trianguler. Donc, quand on va finir avec cette implémentation, nous allons commencer par la cartographie et voir comment est-ce que d'autres données peuvent être triangulées au Nigeria et les insérer dans le tableau de bord. Et sera suivi par l'évaluation des utilisateurs finaux pour comprendre l'acceptabilité, la facilité d'utilisation et la façon dont le tableau de bord améliore l'interprétation et l'utilisation des données de surveillance pour ce qui est des maladies évitables par vaccination. Voici un peu le résumé de la triangulation des données au Niger pour ce qui est des maladies évitables par vaccination et des autres maladies dont je vous ai parlé. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour, je m'appelle Joël Adegoke. Est-ce que vous me suivez? C'est bien, merci. Je ne peux pas m'approprier cette présentation. Je peux vous rassurer que c'est les collègues en Éthiopie qui auraient bien aimé être là aujourd'hui, mais n'ont pas pu venir. Donc, je vais parler de la troisième composante. Angela a parlé de trois cas. On a parlé de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Maintenant, on va voir comment est-ce que l'Éthiopie était capable d'utiliser les guides pour ce qui est de la triangulation des données. Donc, ils se sont focalisés sur la triangulation des données entre DHIS2 et d'autres sources pour améliorer la qualité et l'utilisation des données sur la vaccination. Pour ce qui est de l'Éthiopie, les données de vaccination viennent des DHIS2 et d'autres sources. Et des sources qui ne sont pas aussi routinières que celui des DHIS2. Mais il y a eu des préoccupations pour ce qui est de la capacité, la qualité des données et le fait de les utiliser pour prendre des décisions. Il y a également une analyse critique des données et on essaie de se focaliser sur comment est-ce qu'on peut identifier les problèmes de qualité des données et d'identifier les manquements dans les programmes de planification et comment faire la cartographie et trianguler les données pour pouvoir essayer d'améliorer la qualité de ces informations. Alors, voici l'approche de l'Éthiopie. La première étape, c'est la sélection d'un petit groupe d'individus dans les agences. Et ainsi, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui est pris au ministère de la Santé, qui est en charge de la planification
qui essaie de voir les composantes six. Ensuite, on a essayé d'avoir des gens qui essaient de s'occuper des questions du PEV. On a sélectionné des personnes de l'Institut de l'Éthiopie en matière de santé qui essaient de voir la composante de prévalence. Pour commencer, il y a eu d'abord une formation, c'était durant la période de la COVID. Il y a eu des formations qui ont été faites en ligne, notamment. Désolé de l'interruption. Je vous disais qu'il y a eu une formation pour ces groupes de personnes sur le plan national. On s'est focalisé sur les bases de la triangulation. Après la formation, on est parti à un niveau de cartographie. On a essayé de cartographier les sources de données de surveillance disponibles en matière de vaccination et de surveillance. On a essayé de voir les sources externes qui ont été utilisées pour la vaccination. Ensuite, il y a eu des interviews, essayer de discuter avec les utilisateurs finaux, les gestionnaires de projets pour avoir leur retour d'information sur la qualité des données et leur utilisation. Ensuite, il y a eu des analyses pour essayer de comparer les fréquences et les tendances entre le DHIS2 et les autres sources de données. Et j'en parlerai plus tard en détail. Ensuite, ils ont essayé d'identifier les questions de les problèmes de qualité des données et promouvoir une culture d'utilisation des données pour la planification des programmes et la prise de décision. Alors, pour les sources de données utilisées pour cet exercice, c'était les SIX qui ont donné les données et puis les données venant de 2000 à 2019. On a pris les données dans DHIS2 et ensuite, ils ont pris les données venant du sondage démographique et de la santé de l'Éthiopie, et la présentation du Nigeria a parlé des forces et des faiblesses de ces données-là. Et on a utilisé les données qui viennent de l'UNICEF, qui vient sur le plan annuel. Il y a eu la surveillance des données et les données logistiques du PEV. Pour ce qui est des indicateurs, il y a la couverture de Penta 3 qui s'est occupée de la couverture de rougeole 1, la couverture de la vaccination complète. Les analyses ont été plus sur la comparaison des données et le fait de mettre en place des graphiques venant des sources. Et pour ce qui est des cartes ou des graphiques, ici on voit ce qu'il en est de la couverture Penta 3 qui vient de SIX et des EDHS et de WENIC. Vous pouvez voir qu'il y a une différence entre les données de SIX et des autres entités. Vous pouvez voir qu'il y a des difficultés. C'est pour cela qu'il y a des différences. Donc, on comprend cela, et c'est pour ça que le pays a essayé de répondre à la question de différence entre les données qui viennent de WENIC et des SIX. Et la différence est petite quand on essaie de prendre en compte juste les SIX et les WENIC. Pour cette cartographie, vous pouvez voir que même s'il y a une grande différence entre les SIX et les données de sondage, on a essayé de réduire la différence, comme nous voyons sur la cartographie. Ensuite, vous voyez également un graphique semblable qui montre la différence de données entre les SIX et EDHS, mais entre les SIX et WENIC, il y a une petite différence encore sur ce graphique. Et comme vous le voyez encore, en termes de ratio entre les deux, il y a la différence qui est de 1,4 et 1,9 avec le temps. Également, pour ce qui est de la couverture vaccinale complète, on regarde les SIX, les DHIS2, il y a une grande différence avec EDH. Et quand on voit les données aussi pour les 20 dernières années,
C'est clair également pour ce qui est de la ligne. On voit que, il y a une croissance à partir de 2011. Il y a maintenant le déclin jusqu'en 2019. Donc, je crois que les leçons que nous pouvons tirer ici, c'est que, il y a la question d'utilisation des données. Quand Éthiopie a lancé, le package BEV, il y avait un tableau de bord et c'était disponible et utilisé par les planificateurs de politique et le directorat de monitoring. Vous devez se rassurer que le tableau de bord peut être utilisé pour les packages PEV et entre autres. On a également observé qu'il y a des pratiques qui ne sont pas standardisées parce qu'on ne pouvait pas avoir accès aux données via plusieurs sources directement. À la fin de cet exercice, l'Éthiopie a cessé de collecter les données dans toutes les plateformes simultanément. Également, ici, nous avons essayé de voir les points de données. On a également observé qu'il y a des pandémies qui ont été signalées dans de nombreuses régions et au niveau national. Il a été observé que l'utilisation du système DHS2 a été améliorée par les experts en vaccination et de suivi évaluation dans le ministère de la Santé pour ce qui est dans les différentes unités de planification et de développement étaient plus familiers avec le système DHS2 que ceux qui étaient dans que les experts en surveillance. Donc, ces derniers n'étaient pas habitués à utiliser le DHS2 pour la surveillance. Également, il a été observé que les sources de données ont révélé des problèmes en matière de qualité de données et de renforcement de capacité. Donc, cela a été observé dans API et les gens n'étaient pas habitués avec l'utilisation du DHS2. Pour ce qui est des perspectives, ceci a été fait au niveau national. Il y avait le besoin de le faire également au niveau inférieur, et c'est-à-dire le niveau infranational. L'Éthiopie essaie de pouvoir mettre en place la pratique de la triangulation et le processus d'examen. C'est une chose qui ne devrait pas être faite, une chose qui ne doit pas être faite une fois par mois, une fois en passant. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut le faire de manière régulière. Maintenant, la formation des gestionnaires de données doit avoir lieu pour l'utilisation des données de triangulation. Et je pense que ce n'est pas qu'une question des gestionnaires de données. Il faudrait également penser à inclure les planificateurs et les décideurs pour l'utilisation des données pour pouvoir les utiliser. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais passer la parole à Angela qui va parler de quelques exemples de tableau de bord et les collaborations qu'on a eues avec l'Université d'Oslo. Merci, merci à tous les présentateurs. J'espère que vous êtes là. Je vous remercie. On va essayer de faire le résumé des approches pour ce qui est des tableaux de bord des triangulations. Vous avez vu avec l'Éthiopie, la Tanzanie, pardon, l'Éthiopie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, ce dont il était question. Donc, on est d'accord que il y a une certaine disponibilité des données dans DHS2
community gaps. So to start with program performance, what are the key concepts here that need to be considered when we're talking about a triangulation dashboard? I'm probably preaching to the choir here, but monitoring, of course, is needed for planning and continuous quality improvement. Data quality issues can have... On comprend qu'il y a un problème de... Un problème, pour la question de l'utilisation des données. Désolé, nous avons un petit problème technique. On essaie maintenant de parler du suivi des performances et des concepts clés. On essaie de résoudre le problème de la qualité des données qu'il y a dans les DHCS2 et les autres plateformes que nous utilisons. On essaie de faciliter la tâche à tout un chacun. On essaie de voir les numérateurs qui existent pour pouvoir bien évaluer les performances. Maintenant, quand on parle du tableau de bord, il y a des objectifs. Il faut permettre au personnel de pouvoir faire le suivi des programmes de vaccination, identifier les qualités de données potentielles ou les problèmes que nous avons dans ce domaine pour pouvoir faire les enquêtes. Et parce que les attentes sont raisonnables et il y a des domaines où il faut enquêter encore et encore pour pouvoir avoir plus d'informations. Également, il y a la health facilities for supportive supervision activities. Infranationale. Pour pouvoir continuer à faire la supervision. Performance dashboard. I think you saw some great examples of this with the Ethiopia example. Vous avez eu un exemple de l'Éthiopie. Le problème de qualité de données dans ce pays-là et d'autres. Ça dépend des logiciels que vous utilisez pour développer le logiciel. Sur quoi on se focalise, c'est l'action de la DHS2. Vous voyez les différentes sources de données avec lesquelles on peut faire la triangulation. Les données sur la couverture de vaccination de l'OMS, les données sur la surveillance agrégée, mais aussi les données sur le tracker. Maintenant, résumer les données au niveau local, il faut faire le suivi de la performance. Vous voyez le tableau de bord de triangulation. C'est très utile au niveau infranational. Donc, ça concerne PentaOne coverage, la couverture PentaOne, mais aussi avec l'utilisation, la grille de l'utilisation. Ici, vous voyez différents projets. Vous voyez le quartier et il y a des couvertures, mais il y a aussi les dropouts. Pour le quartier 2, vous pouvez avoir quelques problèmes. Donc, les enfants sont entrés de venir pour prendre le vaccin, mais il y a aussi des enfants qui ne viennent pas prendre les vaccins. Il y a aussi des problèmes d'accès au niveau 3. Mais les enfants, quand même, arrivent à revenir pour prendre le vaccin. Et puis, au niveau 4,
il y a des problèmes de qualité et des problèmes de couverture. Et il y a un taux élevé, n'est-ce pas, d'abandon de vaccins. Donc, c'est un processus qu'il faut vraiment prioriser. Et puis, on n'a pas vraiment eu le temps d'avoir une session dédiée à une démonstration sur la triangulation des tableaux de bord. C'est juste un aperçu que vous voyez ici qui, n'est-ce pas, va vous donner une idée sur la démonstration que l'on devrait avoir. Donc, au niveau de la quatrième étape, il faut développer un plan d'action. Il faut identifier, n'est-ce pas, les domaines informationnels qui ont besoin de supervision, de soutien. Et puis, il y a aussi une évaluation sur télé pour mieux comprendre les différents problèmes auxquels ils font face. Il faut aussi mettre en place des activités de vaccination, aussi améliorer les activités d'amélioration de la qualité. Maintenant, on va voir un tableau de bord sur les lacunes en matière de vaccination. On a vu ce qui s'est passé au Nigeria dans la création de tableaux de bord, mais les objectifs, c'était de permettre au staff au niveau national, au niveau infranational, de suivre les différentes lacunes de près par rapport à la vaccination, mais aussi identifier les lacunes potentielles les activités de vaccination, surtout dans les régions affectés par la pandémie. Maintenant, il y a un certain nombre de questions. Il faut savoir si les données de surveillance donnent une idée, s'il y a vraiment des lacunes par rapport à la couverture de vaccination. On ne va pas passer beaucoup de temps ici parce que vous allez utiliser les tableaux de bord de DHS2. J'aimerais seulement parler des actions qui ont été menées, ce que nous avons fait pour identifier, n'est-ce pas, les lacunes. Il y a, n'est-ce pas, les activités de vaccination pour ne citer que cette activité. Il y a un certain nombre d'exemples au niveau, n'est-ce pas, infranational. Il y a aussi des activités qui ont été conduites au niveau des établissements. Vous voyez, n'est-ce pas, la couverture par rapport à la vaccination contre la rougeole. Voilà un tableau qui nous donne une idée sur les activités qui ont été conduites. Donc, ici, on voit qu'il y a vraiment une très bonne couverture, 100%, pour, n'est-ce pas, le premier vaccin et le deuxième vaccin contre la rougeole. Et on se demande s'il s'agit vraiment d'une erreur, si ce sont des données qui ont été manipulées, parce que vraiment 100%, c'est quand même très impressionnant. Une autre chose qu'on veut voir sur le tableau de bord, il s'agit ici d'un graphique qui montre les différents cas par rapport à la vaccination. C'est un graphique qui aide beaucoup pour mieux identifier où nous avons, n'est-ce pas, des cas de rougeole qui sont confirmés et là où on n'en a pas. Au niveau de cette
établissement, on voit que tout marche vraiment bien par rapport à l'identification de cas, mais il y a aussi des preuves qui montrent qu'il y a eu des retards dans la vaccination. Il y a des enfants qui n'ont pas vraiment eu de vaccin et c'est une lacune. Donc, vous voyez que voilà, il y a un établissement qui n'arrive pas à vacciner les enfants. Il y a aussi une enquête qui a été conduite et qui a montré que les enfants malades n'ont pas bénéficié vraiment de vaccins. Comme on était intéressé par ce qui se passait dans cet établissement, en fait, on a pu identifier les différents cas d'irrégularité et on s'est basé sur les indicateurs de pays. Et puis, on a essayé de rectifier un certain nombre de pratiques. Voilà un aperçu du tableau de bord de triangulation que nous avons eu. Vous pouvez voir une carte par rapport à la couverture et puis le nombre de cas. On a dû changer les couleurs, comme l'a mentionné Patrick. Je ne vais pas vous donner trop de détails. Il y a maintenant un tableau de bord. Maintenant, quelle est l'action à mener? Donc, les actions à mener, il s'agit de un renforcement des activités de vaccination de routine. Et la vaccination des populations spécifiques, et par exemple, les personnes qui sont dans une tranche d'âge donnée. Et il y a aussi les campagnes au niveau national et au niveau infranational, pour ne citer que ces quatre actions. Maintenant, vous voyez ici les différentes exigences fonctionnelles par rapport à la triangulation des tableaux de bord. Vous ne pouvez pas identifier tous les cas d'utilisation. Vous savez, il y a beaucoup de ressources. Et on a vu comment le Nigeria a pu, n'est-ce pas, gérer ce type de situation lorsque vous avez plusieurs sources de données et arriver à faire, n'est-ce pas, une triangulation. Et il y a aussi la problématique de l'accès aux données par rapport plutôt des données qui se trouvent sur DHS2. Il faut aussi mettre à jour et maintenir les données. Au niveau de l'agrégation et désagrégation des données de DHS2, il faut aussi faire un certain nombre d'efforts. Il y a des exemples où cela a été fait. On veut également que les tableaux de bord soient dynamiques, qu'il y ait des visualisations multiples qui dépendent, n'est-ce pas, du type de triangulation que vous êtes en train de faire. Il s'agit ici d'une combinaison de tableaux, une combinaison de graphiques, et aussi s'assurer que les tableaux de bord puissent être, n'est-ce pas, personnalisables afin que les utilisateurs puissent les manipuler comme ils l'entendent. Par exemple, pour qu'ils puissent inclure des visualisations de triangulation additionnelles, pour qu'ils puissent changer le niveau d'agrégation, pour qu'ils puissent changer les antigènes, et ainsi de suite. Il faut aussi permettre aux utilisateurs d'incorporer un certain nombre de notes, des annotations, des interprétations, surtout par rapport aux analyses. Maintenant, les perspectives d'avenir. Bientôt, il y aura, n'est-ce pas, un tableau de bord de triangulation DHS2 pour les programmes de vaccination et de surveillance, PEV. L'objectif, c'est de pouvoir rationaliser l'intégration des données et de DHS2 PEV avec, n'est-ce pas, les packages de surveillance pour des fins de programmation.
Il y a déjà la phase 1 qui a été terminée, la phase 1. Il y a des analyses automatisées en se basant sur les différents packages de données. Ici, il y a trois packages. Principalement, il y a le package de données PEV de l'OMS. Il y a la surveillance des données agrégées de l'OMS. Il y a aussi le tracker, les données sur le tracker de l'OMS. Voilà les différentes ressources que vous pouvez utiliser. On ne peut pas entrer dans les détails, mais vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser ces ressources pour avoir plus d'informations. J'aimerais vous dire merci et pour votre aimable attention et on pourra continuer les discussions et si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans la communauté de pratique. C'est la dernière session de la journée. Et si vous avez des questions, vous pouvez, n'est-ce pas, vous pouvez les poster dans la communauté de pratique. On pourra continuer la conversation. Merci beaucoup. Ce fut une présentation vraiment intéressante. C'est très encourageant de voir ces progrès réalisés. Avec surtout les sources multiples de données. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu avoir, parce que problème qu'ont rencontré les pays, c'était surtout au niveau des individus et non au niveau des groupes. Le commentaire que j'aimerais faire par rapport aux sources de données, on doit regarder au-delà des données sanitaires et essayer d'explorer d'autres sources et cela va nous aider dans la manière dont nous donnons des soins, nous fournissons des soins de santé. On ne devrait pas se focaliser seulement sur la performance des programmes, ce qu'on fait depuis plusieurs années, et on devrait aussi se focaliser sur les soins qu'on fournit aux patients. S'il y a des personnes, par exemple, qui ont arrêté le traitement, il faut voir comment les ramener. Et cela requiert, n'est-ce pas, d'avoir des données à partir de différentes sources. Comment connecter, n'est-ce pas, les données agrégées, comment on peut intégrer ces données dans EMR. Je pense qu'on devrait se focaliser. Sur les soins de santé qu'on fournit, n'est-ce pas, aux patients. Sinon, c'était vraiment une présentation très encourageante et très intéressante. Vous venez de faire des points vraiment très intéressants. Nous travaillons avec des collègues et sur les programmes de vaccination et nous essayons de nous assurer que nous focalisons vraiment sur les soins de santé qu'on fournit aux patients, s'assurer que, n'est-ce pas, les patients reviennent et pour mieux, n'est-ce pas, on essaie aussi de voir comment on peut mieux faire la triangulation avec toutes ces sources d'informations. Sais pas s'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires. Et je vous remercie beaucoup pour les présentations. C'était vraiment des présentations intéressantes. Ça nous a ouvert les yeux. Et vous savez, souvent lorsque nous développons nos tableaux de bord, lors des implémentations, les aspects liés à la qualité de données sont souvent considérés. Vous avez des tableaux de bord qui se focalisent sur, n'est-ce pas, le progrès.
Et puis, avec le temps, on essaie d'identifier s'il y a des problèmes de qualité. Donc, ma question, c'est de savoir comment on peut, n'est-ce pas, résoudre les problèmes liés à la qualité au moment de la présentation des tableaux de bord, au lieu d'attendre et de retourner vers les tableaux de bord, quelque chose qui pourrait prendre beaucoup de temps. Et ce n'est pas facile d'avoir le temps de suivre tout le processus. Donc, au lieu d'identifier seulement les erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour, n'est-ce pas, résoudre les problèmes? J'aimerais dire que voilà, il s'agit là de renforcement de capacités à différents niveaux. Je pense que c'est important, surtout dans certains pays où la saisie de données est problématique. Et nous devons nous assurer que vraiment à tous les niveaux, il y a les connaissances nécessaires pour pouvoir comprendre la saisie de données, comment ça se fait, les problèmes liés à la qualité. Et cela, n'est-ce pas, va à nous aider à aller de l'avant. Alors, je dirais que c'est le grand défi. Ça a été mentionné dans les autres présentations. Le problème de renforcement de capacité, c'est quelque chose de vraiment de très important. Et je pense que voilà, on devrait se focaliser sur cela pour pouvoir résoudre ces différents problèmes. Au Bangladesh, nous avons pu trouver n'est-ce pas, des établissements sanitaires où il y a vraiment des problèmes de saisie de données. Donc, très rapidement, on a essayé de travailler ensemble et ces problèmes ont été, n'est-ce pas, résolus. J'espère que ça répond à ta question. Je ne sais pas si mes collègues ont des commentaires à ajouter. Merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce que vous m'entendez? Alors, dans quelle mesure nos données de triangulation sont vraiment correctes en comparant la performance avec l'utilisation du stock? Parce qu'on parlait des médicaments surtout. Comment on arrive à comparer la couverture avec les tendances de médicaments lorsque il y a, n'est-ce pas, une rupture de stock? C'est une bonne question. On a parlé des stocks de vaccins. On essaie de mettre un graphique qui va montrer les données sur, n'est-ce pas, les stocks. Donc, et je pense que c'est quelque chose de nécessaire, n'est-ce pas? On doit mettre en place une manière de suivre de près les stocks de vaccins. Merci. Je vais dire la même chose. Vous n'êtes pas la seule personne à être intéressée pour, n'est-ce pas, voir les stocks de vaccins. Par exemple, au Nigeria, où on avait créé
n'est-ce pas, le draft par rapport aux données de triangulation. Sauf que là, sur la vaccination, il y a une requête de l'équipe qui gère ce programme pour que cela soit inclus, soit incorporé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, surtout pour les gestionnaires et de la logistique, pour s'assurer que leurs données sont vraiment incorporées sur la plateforme. Et il y a, n'est-ce pas, des pays qui ont pu inclure les données logistiques dans le processus. Merci beaucoup. Patrick, est-ce que tu as un commentaire à ajouter? Peut-être il faudra venir au podium pour utiliser le micro. J'aimerais dire comment on peut, n'est-ce pas, être mieux coordonné. Vous savez, il pourrait y avoir de la confusion. Pendant que nous travaillons sur le tableau de bord, le package de tableau de bord de la vaccination, j'étais là. Et puis, il y a un collègue qui est venu, qui avait le tableau de bord. Et on essayait d'extraire des données de DHS2. Donc, il y avait beaucoup de confusion pour les utilisateurs. Je ne sais pas comment on pourrait être mieux coordonné, mieux organisé. J'ai beaucoup apprécié cette idée. Si nous sommes vraiment en train de développer des tableaux de bord en dehors de DHS2, faut vraiment avoir de la coordination pour que chacun sache la méthode à utiliser, à adopter. Merci beaucoup, Patrick. Étant donné la manière dont les tableaux de bord sont développés, nous devons être prudents pour ne pas semer la confusion chez les utilisateurs. Au Nigeria, ils ont pu intégrer les tableaux de bord. Et pendant tout le processus, ils ont travaillé avec les équipes techniques et ils ont dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà le plan. Et pour que tout ce qui est développé en dehors de DHS2 soit intégré dans DHS2, pour qu'à la fin de la journée, les utilisateurs puissent avoir accès à ces données dans certaines situations. Et c'est temporaire, dans certaines situations, c'est permanent. Et je pense que vraiment, une meilleure coordination est nécessaire pour éviter et les problèmes. On doit s'assurer que tout ce qui a été développé en dehors de DHS soit intégré. Et je pense que c'est possible vraiment de le faire. Ça, c'est un très bon commentaire. Merci beaucoup à tout le monde. Applaudissez pour tous les présentateurs. C'était la dernière session pour la semaine et il y a eu vraiment des interventions très intéressantes. Et merci à tout le monde d'être là. Je remercie aussi ceux qui nous suivent en ligne. Merci beaucoup.